Certainement, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Robocrate 2. On n'a pas fini un peu, on n'a pas continué un peu sur la petite série. Pourquoi pas la continuer hein, en fait. Oh, regardez, une joyeuse lumière, c'est stylé. Let's go, sans plus tarder, on va faire du T6. Hein. Bah ouais, les gars, on a des missions à faire, hein, ma foi. Ouais. Ça, c'est buggé, ça, par contre. Il a été fixé ou c'est un bug? Avant, ça faisait pas ça, hein. Wait. Attendez une minute. Ouais, ma foi, je comprends pas. Non, c'est pas avoir ces récompenses-là. Pourtant, en sachant que j'ai le bon tiers. Et j'imagine que ça doit être un bug. Effectivement, c'est un bug. Effectivement, c'est un bug. Après, je pense pas vraiment que ce soit un bug. En fait, du moment que ça c'est. Non, c'était pas un bug. C'est tout à fait normal pour pas que ce soit trop cheaté. Parce qu'en fait, quand tu commences une mission. Il sera du genre. Peut-être avec la mission de ton tiers exactement. Mais ouais, non, c'est pas vraiment spécifiquement un bug. C'est comme ici, on a joué 5 fois avec ça. Non, c'est pas. Mais je sais que T6, c'est ça. Donc, en vrai, là, faut que je fasse du T6. Mais ouais, c'est pas un bug. J'aime trop les hovers. Vous savez pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, ils font une idée de lave-vaisselle, premier. Le lave-linge, pardon. J'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé pour faire un bruit de lave-linge. Je suis bête. Touché. Touché. On voit rien. Oh purée. Oh, sniper. Est-ce que je peux me caler juste en haut là? Thank you.
Après, en soi, ce robot, il est bien. Il a quitté, je crois. Pas, il est mort lui aussi. Ça, à moins qu'il ait été tué. Je pense. Je pense qu'il a été tué. Ok, un peu de ressources, nice. Du coup, c'est du T4 que j'avais pris. Du coup, j'imagine que si je le up, est-ce que je vais pouvoir débloquer d'autres over? Ouais. D'autres overblade. Nice. Ok. Du coup, là, faut que je joue 3 matchs. 6 fois ça. Ça aussi, faut que je décris beaucoup de cubes avec équipé de ça. Et je pense que ça doit être cool. Je pense que l'objectif, c'est de finir l'émission. Ça pourrait être sympa. Du coup, ouais, pourquoi rajouter, ils ont rajouté des missions. En fait, les missions, ça va permettre d'apaisir, de soulager, on va dire, les joueurs qui ont des difficultés. Et c'est qui manquait vraiment de ça dans Warcraft 2. Manque de ressources. En début de partie, on galère et tout. Je pense qu'avec ces systèmes-là, des missions quotidiennes, ça peut faire un truc. Ça peut nous aider. Donc j'espère que Free Jam va encore continuer pour nous aider à progresser un peu plus vite gratuitement, bien sûr. Sans être pay to win. Ils ont annoncé ça, qu'ils veulent pas que ce soit pay to win. Donc je pense que plus tard ils vont rajouter d'autres types de moyens de récompense. D'obtention de récompense. À ce moment même, là, je pense qu'ils sont en train de travailler sur d'autres armes, moyens de mouvement. Vous voyez des trucs comme ça. Peut-être là, ils sont en train de travailler sur le mode PvE, hein, parce que ça fait un moment qu'on attend le mode PvE, comme ils ont promis. Un nouveau mode de jeu, peut-être, hein, qui sait. Bah, après, tu me diras, le mode PvE, c'est aussi un mode de jeu, mais vous avez compris. Robocraft 2, il a du potentiel, mais là, ça a du copier-coller du Robocraft 1, faut le dire. J'aimerais même monter en haut, tiens, si je peux réussir. C'est très cool. Expérience numéro 1, montant en haut. Yeah! Bam! Oh, je t'ai touché, mon pote! Non, c'est pas pratique ce bouclier, c'est horrible. Dans Robocraft 1, c'était mieux, mais là, on voit trop le contraste bleu. On voit pas trop la map, c'est pour ça. J'ai remarqué. Oh la galère, ce robot, frère. Touché.
Et on a gagné! Over, je note 10, pas 10 sur 10, j'habite un peu. Je dirais un petit 8 sur 10. Même voir un petit 7 sur 10, quoi, si. Il y a une amélioration entre le over de Robocraft 1, mais ça a besoin d'être amélioré. Tout simplement. Bah, parfait! Voilà, les deux missions sont terminées. Il va me manquer que celui-ci. Et je crois que j'aurai tout terminé. Hein. Je crois bien que j'aurai tout terminé. Il reste juste ces missions-là à finir. Et ça serait parfait. Donc, ouais. Je dis ouais. Ah ben on a fini avec une nouvelle map là. Parfait. Ah, c'est bien, on peut voir l'effet du bouclier qui se dégrade un peu. Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que le bouclier peut prendre un pourcentage de points de vie de bouclier? Moi, je pense que Freejam devrait faire en sorte que le bouclier soit autour du robot et non. Comment ça s'appelle? Et non en face comme dans son Robocraft. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment. Agréable à placer. Quand tu débutes sur Warcraft 2, c'est un peu compliqué. Ce serait plus intéressant, tu vois. Regardez, on voit bien le bouclier qui se dégrade à force. Non, en vrai de vrai, le bouclier, il a un petit. L'histoire de bouclier dans ce jeu est intéressante. On a un bouclier sur soi, mais aussi à l'extérieur. Mais en fait, il devrait faire en sorte qu'il mette un bouclier du genre en mode qui soit plus faire en sorte que ce soit plus un peu bouclier de type bulle comme on avait dans Robocraft 1, ça serait plus intéressant que bouclier que tu le places directement comme ça quoi.
Touché. On a perdu. Oh, c'est nul. On a perdu. Bon, bah, moi, sur ce, samedi, je vais laisser là pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Ah, bah, tiens, on a terminé la mission. Ça, c'est cool. J'attendais que ça. Allez, tout, tout, les bros, on va écouter la mission en même temps. Boum! Et boum! Et ben voilà, parfait. On a réussi à avoir un peu plus de ressources. Ça, c'est top. Oh, les ressources qui vont te passer tout le temps. Oh, je suis refait. Mais vraiment. Oh là là. Je vous garantis que je suis bien refait là. Il m'a fallu des ressources là, depuis un bail. Purée, ça, c'est cool. C'est cool. Allez, sur ce, je dis ciao tout le monde.